Eh bien, salut à tous, c'est Zorobama et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 d'Assassin's Creed Origins. Donc là, on a aidé donc le capitaine à récupérer sa Felhouk. Donc c'était la dernière action qu'on avait fait dans le dernier épisode. Donc là, il faut qu'on aille parler au livreur disparu à la ferme de la brasserie. Donc qui est là. Medjay, pardonne-moi, mais Nessamun, l'aide de Harkouf, est parti au sud avec une cargaison de bière. Il n'est jamais arrivé à Imo. Pourrais-tu le retrouver et t'assurer qu'il va bien? Je vais m'en occuper. Cette bière devait honorer Sekhmet. S'il l'a bu, il aura droit au fouet. Eh ben. Allez, Werner, tu t'amènes? Allez, Mancho Bernard. Hop. C'est parti. Hop. Trouver. Ces chacals vont continuer à s'attaquer aux braves gens de la région. Je dois m'occuper d'eux. Mais t'attaques pas à moi, gros débile. Oh putain. Ces chacals vont continuer à s'attaquer aux braves gens de la région. Je dois m'occuper d'eux. Ta gueule, le lion, je t'ai libéré tout à l'heure, tu m'as défoncé. Mais encore des gens? Mais... pas là, lui, tout à l'heure. Ah ouais, donc comme j'ai tué le capitaine, ça c'est bon.
grande île vont me tuer. T'inquiète. Là. Nessamoun, est-ce que ça va? Loué soit Happy, oui! Je t'écoute. J'apportais une cargaison à Imu quand ces chiens me sont tombés dessus. Et? Bon, d'accord, je faisais une petite sieste. Mais ils ont bu ou cassé toutes les jarres. Ils menaçaient de me tuer pour obtenir plus de bière. Ramène les bœufs à Saïs. Tu vas devoir préparer une nouvelle livraison. Cette fois, essaie de ne pas t'arrêter en chemin. Percepteur niveau 17. Eh, hey, Mathieu Bernard. Ah, on tue les méchants percepteurs d'impôts. Récolte au marché? Ça oui. Passer le camp Pyros, c'est une vraie plaie. Ces soldats sont pires que les voleurs. Tu as eu des difficultés pour apporter ta récolte au marché? Ensemble. Thank you.
m'aura bien saoulé, lui, ce percepteur d'impôts. Je ne remercierai jamais assez les dieux de nous l'avoir amené. J'entends souvent dire du bien de Maharet. C'est justifié. Elle a entendu de nos malheurs et elle a acheté un chariot entier d'étoffe pour sa nouvelle maison. Ils vont s'installer. Bayek. C'était Sef et tout. Ils ont pris Harkouf. Je sais ce qu'ils vont lui faire. Le torturer avec des pinces brûlantes, peut-être lui arracher la langue, puis lui planter une dague incandescente dans le cœur. Les prisons de Fort Nikiyo. Attends. Ils m'ont cru morte, et ils m'ont jetée dans le puits. J'ai rampé parmi les cadavres, et j'ai rejoint le fleuve par un petit cours d'eau souterrain. Et voilà comment on va s'infiltrer dans la prison. Ah, attends, parce que là, il y a encore un percepteur d'impôts à flinguer. Et pourquoi tu veux travailler ici? La brasserie de Saïs est la recette du maître Arco. Sont connus et appréciés jusqu'à Sirène. Comme ça, on va pouvoir enchaîner derrière sur l'autre mission. Donc, on va aller défoncer le percepteur. Là, je vais encore devoir me taper un sale combo, je suis sûr. Hors de mon chemin! Tu peux me dire à quoi tu joues? Ah, c'est une tri d'origine, peut-être, non? Bon, attends-moi là, Bernard, je reviens. Allez, salut. Là-bas. Hein, mais que... Je te tiens. Ah, il est bon, Anna. Ah, il y avait un mec là-bas, d'accord. Bon, j'ai pas que ça à faire. Faut que je rentre dans la prison. Piller le trésor, mais il y avait rien à piller. Ah, attends. Ah oui, il y avait ça, les trucs. Hop.
sont où les foutus coffres là? Piller le trésor, vous êtes mignons les gars. Mais... pas du tout, ils sont. Je vois pas du tout où ils ont été foutus les trucs. Non, mais il n'y en a même pas un là, c'est une blague. Je vois, mais alors pas du tout où c'est placé. Attends, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut trouver? Non mais c'est sérieux? J'ai le temps de chercher les gros coffres, moi. Mais là, y'a rien. Je vois pas où il est celui-là. Bon, c'est pas grave. Hop. Hey, mon petit Bernard. Fil trésor de capitaine a tué un commandant. D'accord.
Garde ton arme à portée de la main. Quoi? Approche! T'écrases, insecte! Non mais c'est sérieux. Le putain de problème quand ils te mettent des commandants et des capitaines de merde. C'est complètement con parce que techniquement, t'es censé avoir tel niveau pour faire le truc. T'as le niveau, mais non, le truc est bien plus fort que toi. C'est un peu débile ce qu'ils ont fait. Ah, ça m'avait manqué, les trucs comme ça. De Medjay ait pu tuer nos hommes. On dit qu'il a tué les archers que Sefetu avait laissé à Saïs. S'il n'y avait que ça, quand Sefetu l'attrapera, il lui brûlera les doigts et aussi les orteils, puis le nez, les oreilles, la langue, les bouches. Passe. Si on l'appelle le bon nom, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors ne fais pas le malin.
et chaque pouce de ton corps. Descendre, oh Dieu. Putain, je vois pas comment on peut la passer celle-là en fait. Sans se faire choper, ça va être chaud. Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait un là.
Hein? Mais que... Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est politique? Si jamais il se montre, il est mort. Hey! Toi! Que ça dure indéfiniment, donc du coup, à l'est du fort. Oh, il est interdit de venir ici. Alors. Normalement, il y a de l'eau qui va dedans. Hey, l'arme en main. D'accord? Hein? Mais que... Elle serait souterraine, elle est où? Toi qui va pas? Indiqué sur la carte. Non, y a rien. Je sais même pas, j'ai fait tout le tour du bordel.
Ouais, plus venu que le bâtiment, je sais pas. À l'est du fort, ouais. T'es mignonne, madame, mais... T'as dû donner plus de précision, quoi. Non, c'est là l'entrée souterraine, c'est sérieux? Je n'arrive pas à croire qu'un pauvre minable de Medjay ait pu tuer nos hommes. Il dit qu'il a tué nos archers que Sefetu avait laissé à Saïs. S'il n'y avait que ça, quand Sefetu l'attrapera, il lui brûlera les doigts et aussi les orteils, puis le nez, les oreilles, la langue, les bourses. Par Sarabus. Si on l'appelle le bon nom, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors ne fais pas le malin. Thank you.
Putain, ça c'est juste un capitaine, c'est sérieux? Du calme, Arkouf. Je vais te faire sortir. Faut que tu récupères la clé, que c'est fait tout autour du coup. Non mais t'es sérieux? Ah mais il est là-haut ce connard. Les opportunités que ça représente, loin de Nikio. Je vais brûler chaque de ton corps avant d'offrir tes cendres aux dieux. T'aurais pas dû venir ici. Tu n'es qu'un sale parasite. Je vais brûler chaque de ton corps avant d'offrir tes cendres aux dieux. J'ai envie d'ouvrir quelqu'un en deux. On va s'en occuper, comme toujours. Toi, tu vas crever. Corre ! Hey, y a un problème ici. C'était ici. Je laisse cette clé. Tu as tué cette immonde crapule ? Allez. Allez !
est encore très dangereux. Hey ! Quelque chose ne va pas. Hey ! Va vérifier le secteur. Garde l'œil sur moi. Tu as intérêt à viser juste. Ah ! Hein ? C'est bien. Réveillez-vous ! Alerte ! Mais il est débile ! Mais il y avait la porte devant, qu'est-ce qu'il fout cet abruti ? T'aurais pas dû venir ici ! Je vais demander des renforts ! On peut même pas le porter quoi, ce gogol. Bon, le commandant est mort, ça c'est bon. Putain de PNJ de merde. La porte elle est devant, qu'est-ce qu'il va faire cet abruti à se faire défoncer la gueule ? Vite, cet endroit est encore très dangereux. Mais je lui me fous en dehors du fort, mais what the fuck ? Cet endroit est très bien gardé. Quoi ? Hey ! Ouais, bon, Mickey vaut mieux, c'est bon. Hop. Voilà comment on passe la mission. Mais putain, mais il s'est encore foutu dans la merde, débile. Allez, lève-toi, gros débile. Je peux le toucher. Non, mais c'est pas sérieux. Bon, on va encore crever parce que leur jeu c'est de la merde, donc du coup, comme ça son tel est faible, tu peux même pas le porter, le débris. Allez, tue-moi. Oh, de la merde. Casse les couilles. C'est bon. Mais il a fait 3 pas, il est mort. Mais c'est n'importe quoi, l'autre il fait 3 pas, il crève derrière. Mais putain de jeu de merde. Vite, cet endroit est encore très dangereux.
gardes sont très vigilants par ici. Je suis sûr qu'il est en train de se faire... Il est en train de se faire enculer dans la prison. Mais cours, épave humaine, cours! Ouais, santé de l'allié fait. Putain! De mission de merde là! Attends-toi à souffrir! Abby, veille sur moi. Ça y est, tu t'es relevé l'épave humaine? Mais putain, mais lève-toi! Putain de merde, allez! Crève-le, c'est bon. Tiens, genre. La mission, elle a l'air bien. Bien bizarre, cette mission-là. Alors, ils peuvent humaine. Merci, mon ami. Apollodorus a eu raison de faire appel à toi. Ah bah, tu m'étonnes, j'en ai chié pour venir te chercher en prison. Si tu en as l'occasion, passe nous voir. Puisse Happy veiller sur toi jour et nuit et remplir sans cesse ta coupe de bière. Bah, j'aimerais bien. Faut que je mette je vais prendre un peu de cocaïne après cette partie-là parce que ça m'a épuisé. Voilà. Hey, Macho Bernard. mètres, oh lolo. Ouais, parce que moi dans une autre ville, c'est pour ça. Et bien après cet épisode assez éprouvant, assez rude, et je crois que cette mission avait l'air buggée parce que pour faire ça, j'ai pas trop compris. Nous allons nous laisser ici.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama, on se retrouve dans l'épisode 11 pour poursuivre la trame principale, qui sont donc les mensonges du scarabée. Merci à tous, c'était Zorobama.